Erster Ausfall, François Sever in den Boxen. François, what happened here? Was geschah? Well, I was passing Merzario under the braking and he made... Ich habe Merzario auf der Bremse überholt. And he made a slight mistake and I could not avoid him and so I touched him. Er hat einen Fehler gemacht und ich konnte ihm nicht ausweichen und ich habe ihm gerammt. What happened on your car? Was passierte mit dem Wagen? The bottom wishbone and the front suspension is bended. Die vordere Radaufhängung des linken Vorderrades ist verbogen. François Sever stoppte und nahm sofort den Helm ab.
Pour combien de temps? Ici Saint-Paul en direct, circuit d'Interlagos. Nous en sommes maintenant au 14e tour de course. Voici les positions très précises et très claires maintenant. Au commandement de l'épreuve, Niki Lauda sur la Ferrari numéro 1.
très nettement détaché. En deuxième position, nous trouvons le Britannique James Hunt, que vous suivez ici à gauche de votre écran. La voiture rouge, c'est une McLaren. Et en troisième position, dans les roues, Jean-Pierre Jarier, qui a effectué plusieurs tentatives pour le doubler. Quatrième, Tom Price. Et cinquième, un autre pilote français, c'est Patrice Depailler. Sixième, Brambilla. Septième, Stuck. Et huitième, Jacques Lafitte, tandis que Jackie Hitz vient de s'arrêter à son stand. Voici donc la situation ici au Brésil. Nous suivons une course absolument passionnante car Jean-Pierre Jarier effectue plusieurs tentatives pour prendre la deuxième place à Jochenmas. Patrice Depailler lui aussi effectue une très belle course. Niki Lauda s'est détaché actuellement. Espérons que Jean-Pierre Jarier va pouvoir passer James Hunt. Voici Jean-Pierre Jarier, la voiture noire que nous venons de voir passer. Nous nous retrouvons tout à l'heure en direct pour l'arrivée aux environs de 18h15, je pense. À vous Paris. D'accord, 6 minutes de commentaire, ce sera fait. Oui. Un tour fait 2 minutes 35. Ah, quel dommage. Quel dommage, là. La Ligier rentre au stand. La Ligier rentre au stand, quel dommage. On ralentit. Bon, d'accord, je t'ai bien entendu. Et si tu veux, je continue pour le magnéto à faire une sorte de ligne guide pour que le montage soit plus facile. D'accord. Bon. Bon, et de toute façon, je demanderai le moteur du magnéto à un instant très précis de façon à faire 4 minutes de course plus 2 minutes d'arrivée. Ah bon, d'accord. Bon, bah, tout à l'heure, je vais continuer à vous donner quelques informations pour nos amis qui suivent le magnétoscope, qui enregistrent ce Grand Prix, pour que le montage qui doit, je pense, s'effectuer pour le journal ce soir soit plus facile. Les positions n'ont pas changé pour l'instant. En tête de la course, Niki Lauda, qui a une avance assez appréciable sur ses poursuivants, que je vois passer juste là devant moi. James Hunt sur la McLaren numéro 11 et Jean-Pierre Jarier derrière sur la Shadow numéro 17 qui a beaucoup de mal à le doubler. Derrière, assez distancé, viennent Tom Price sur la Shadow numéro 16 et Patrice Depailler en 5e position sur la Tyrrell numéro 4. Nous sommes au 25e tour de course, il y en a 40 prévus
pour ce Grand Prix. Et je pense que l'arrivée devrait se situer aux alentours de 18h15, heure française. Derek Azzoni tout à l'heure a dû s'arrêter au stand, il est reparti, mais il est maintenant en queue de peloton. On ne sait pas pourquoi Derek Azzoni s'est arrêté au stand, il est maintenant en queue de peloton. Voilà les positions, donc actuellement au 25e tour de course. Je vais aller plus loin, je vais vous dire de toute façon que la Ligier vient de s'arrêter. La Ligier, pilotée par Jacques Lafitte, la numéro 26, malheureusement s'est arrêtée à son stand. Et elle y est toujours, semble-t-il. Patrick Depailler, donc en 5e position, juste derrière vient Hans Duc sur la marche numéro 34. 7e, Schepter. 8e, actuellement, Emerson Fittipaldi sur sa Cooper Soucar, numéro 30. En gros plan, la McLaren numéro 11 de James Hunt. Et Jean-Pierre Jarry juste derrière. Jean-Pierre a effectué plusieurs tentatives pour doubler Hunt, mais la tâche n'est pas facile. Hunt ne se laisse pas doubler facilement. C'est un pilote d'expérience. La voiture marche bien. Adi Kilodet a pris le large. Très nettement. S'il n'arrive rien à la voiture de Loda, eh bien, il y a de fortes chances pour que le pilote autrichien remporte cette première épreuve du championnat du monde. 76. Quel dommage que la Ligier se soit arrêtée. On espérait tous que la Ligier au moins irait jusqu'à la fin de l'épreuve, tiendrait jusqu'au bout de l'épreuve de ce Grand Prix du Brésil. Pour qu'on puisse tirer des enseignements, malheureusement Jacques Lafitte a dû s'arrêter. Est-ce un problème à nouveau de roue? Vous savez qu'au cours de l'ultime séance d'essai, Jacques Lafitte a perdu une roue. Les jantes étaient toutes fêlées. Neuvième, donc Emerson Fittipaldi. Dixième, la voiture numéro 12, c'est Joe Kenvas, la McLaren. Très beau gros plan actuellement de James Hunt. Sur la voiture numéro 8, la Brabham Alfa Romeo de Carlos Pache. Charrier juste derrière le Britannique Hunt va essayer de le passer, c'est difficile. Tour de course, Loda, Hunt, Jarier, et voici Hunt et Jarier. Fittipaldi est loin derrière, donc Loda, Hunt, Jarier, Braille, Depailler, Duc, Schepter, Reutemann, Fittipaldi. Et en 10e position, la voiture numéro 12, la McLaren de Jochen Mass. Eh oui, la Ligier s'est arrêtée, elle n'est pas repartie. Dans l'herbe au fond là-bas, rien de grave. La voiture est sortie de la route. Je ne sais pas du tout quel est le pilote, quelle est la voiture. La McLaren sur l'écran actuellement. La réalisation est excellente. Dommage qu'on ne voit pas plus les voitures, les autres voitures qui participent à la course. On ne voit que les hommes de tête. Peut-être.
Loda maintient ce rythme et s'il n'arrive rien à sa voiture, il a gagné. Voici la voiture qui est sortie de la piste. Je ne sais pas du tout quelle voiture c'est. Sur mon téléviseur, j'ai beaucoup de mal à la reconnaître. C'est peut-être Vittorio Brambilla. Une avance d'environ 150 mètres sur ses poursuivants qui sont, je vous le rappelle, après 29 tours de course, James Hunt sur la McLaren numéro 11 et Jean-Pierre Jarier. Les voici sur l'écran actuellement. Reste 16 tours à couvrir. Exactement, il y en a 40 inscrits au programme. Loda, Hunt, Jarier, Price, De Payet, Duc, Schetter, Rothman, Mas, Fittipaldi, Pache, Zorzi, Hicks, Regazzoni. Voici les positions au 19e tour de course. Donc il en reste donc 22 à couvrir. Reste 21 tours à couvrir, au commandement toujours Niki Lauda que je vois là-bas au fond sur ce circuit d'Interlagos. À 150 mètres derrière, nous trouvons James Hunt sur la McLaren numéro 11 et dans ses roues, Patrick De Payet vient derrière en 4e position et détaché. La distance est de 200 mètres environ entre le 3e Jarier et le 4e Tom Price. Et dans les roues de Tom Price, nous trouvons Patrick De Payet qui s'apprête à avaler Tom Price. La situation est identique entre James Hunt et Jean-Pierre Jarier et entre Price et De Payet. Il fait toujours très chaud ici, toujours 35 degrés, 36. Les écarts sont très importants entre les voitures. Elles sont éparpillées sur tout le circuit qui est très long. Il fait 7 km 960 précisément. La distance totale à parcourir est de 318 km 400. Elle sera couverte, on le pense, en 1h45 par le vainqueur, par Loda.
C'est un peu moins, car Luda va, semble-t-il, plus vite que Paché l'an dernier au volant de sa Ferrari numéro 1. Luda va remporter, certainement, si la mécanique tient le coup, le premier Grand Prix de la saison. C'est peut-être le début d'une longue série. Les Ferrari, décidément, marchent très bien, celle de Luda en tout cas. Thierry Gasly s'est arrêté tout à l'heure au 8e tour de course, à son stand. Il a pris un retard important, il se retrouve maintenant en queue de peloton en 15e position. 14e précisément. James Hunt et Jean-Pierre Jarier viennent de doubler un concurrent attardé qui apparemment était Jan Hofmann sur la Cooper Sulcar numéro 31. Mon récepteur n'est pas parfait, j'ai du mal à discerner les voitures, mais heureusement je les vois fort bien, je vois fort bien le circuit du haut de la tour. Je ne discerne pas toujours très bien les numéros des autos, surtout entre deux Shadow par exemple, ou deux McLaren, il faut voir le numéro ou le casque du pilote, c'est encore plus difficile pour vous indiquer quelle est cette voiture, quel est ce pilote. Toujours sur l'écran, Hunt et Jarier, qui pour l'instant a renoncé à attaquer James Hunt. J'aimerais que le réalisateur brésilien nous montre la bagarre entre Tom Price et Patrice Depailler. Jarier. Tom Price, je le vois sur le circuit, Patrice Depailler est à 10 mètres derrière. Thank you.
Pas de changement en tête de la course, toujours Loda au commandement qui passe devant nous. Il lui reste 18 tours à parcourir. Derrière James Hunt et Jean-Pierre Jarier. L'écart entre Hunt et Loda semble diminuer. Peut-être Loda veut-il lâcher le pied un tout petit peu pour assurer sa course, assurer sa victoire. Quatrième position, Tom Price, loin derrière, suivi par Patrick Depailler, sur la tirelle numéro 4. Se trouve donc en cinquième position actuellement. Sixième, Suc. Hans Suc, pilote allemand, sur la marche numéro 34. Septième, Schetter, sur la tirelle numéro 3. Huitième, Carlos Rothmann, sur la Brabham Alfa Romeo numéro 7. Neuvième, Jochen Mass sur la McLaren numéro 12. Sixième, Carlos Pache sur la Brabham Alfa Romeo numéro 8. Onzième, Emerson Fittipaldi sur la Cooper Supercar numéro 30. Douzième, Renzo Zorzi sur la Williams numéro 21. Treizième, Jackie sur la Williams numéro 20. Cette voiture étant la SK308C, rachetée à Lord Hesketh après la faillite de son écurie. Après son renoncement, la voiture a été quelque peu modifiée par Frank Williams. C'est la raison pour laquelle elle ne s'appelle plus Hesketh, mais Williams maintenant. 13e donc, Jackie. 14e, Claire Gazzoni. 14 pilotes dans le même tour. À un tour, nous trouvons ensuite Ingo Hoffmann, pilote brésilien, sur la Cooper Supercar numéro 31. Et en 16e position, un tour également, Léla Lombardi sur la marche numéro 10. Léla Lombardi s'est arrêtée à son stand au 10e tour. Et elle est repartie ensuite. Voilà, nous en sommes actuellement. Je vous rappelle l'abandon de la Ligier numéro 26 que pilotait Jacques Lafitte. Tout est rangé maintenant dans le stand Ligier. Les mécaniciens ont rangé le matériel. Ils emballeront ce soir la voiture à destination de la France. Espérons qu'à Kialami, en Afrique du Sud, le 2 mars prochain, eh bien, la Ligier se comportera beaucoup mieux. Nous le souhaitons tous. C'était son premier Grand Prix. Il est normal que les mécaniciens, constructeurs connaissent des problèmes lorsque la voiture participe pour la première fois à un Grand Prix de Formule 1. Mais la Ligier est une voiture très compétitive et soyons-en sûrs, dans l'avenir, au cours des prochains Grands Prix, elle sera en mesure de rivaliser avec les meilleures voitures actuelles. Je veux parler bien sûr des Ferrari, des McLaren et des Shadow. Toujours sur l'écran actuellement, Jochen Mass en deuxième position à 200 mètres environ, ou 150 mètres plus exactement, de Niki Lauda, suivi par Jean-Pierre Jarier. Loda qui aborde le virage de Sargento. Voici Hunt et Jarier dans ce virage de Sargento. Et il s'élance maintenant vers la courvade au sol. Le virage au sol qu'ils prennent maintenant, qu'ils négocient. Courbe rapide. James Hunt, qui est un très grand pilote. Il l'a prouvé l'an dernier en remportant le Grand Prix de Hollande au volant de sa Hesketh. Il confirme aujourd'hui son talent en conservant cette deuxième place derrière un Jean-Pierre Jarier fort agressif, ma foi, mais qui éprouve beaucoup de difficultés à attaquer Hunt. Il a essayé, nous l'avons vu tout à l'heure en direct, à plusieurs reprises. Il n'y est pas parvenu, hélas pour nous. J'aperçois aussi derrière, ils sont à
250 mètres de Jarier. J'aperçois Tom Price qui est en 4e position, qui a 20 mètres d'avance environ, 23 mètres d'avance sur Baptiste de Paillet, qui lui aussi semble avoir renoncé à attaquer Tom Price, qui va très bien actuellement. Les deux châteaux vont très bien. Le curé est en difficulté, mais les deux voitures vont très bien. Mais la 308T, la 312T Ferrari de Niki Lauda est vraiment une voiture exceptionnelle, très rapide. C'est quand même la meilleure voiture actuellement en piste. C'est sans aucun doute. Une nouvelle de John Weston qui a abandonné. John Weston qui pilotait la Pensier numéro 28. Une nouvelle de Vittorio Brambilla qui est sorti de la piste, semble-t-il. Les deux Lotus sont abandonnés. Les deux Lotus 77, les deux nouvelles voitures de chez Lotus. C'est une cruelle déception. Mario Andretti s'est arrêté à son stand, il a dû renoncer. Ronnie Peterson a dû faire de même. C'est un élément à souligner, l'abandon des deux Lotus. Quant à la BRM, n'en parlons pas. Il faut remonter loin dans les tours pour l'avoir encore figuré sur le tour par tour. Les positions sont nettement stabilisées maintenant. Quel dommage que Jean-Pierre Jarier ne puisse passer James Crunch. Il aurait à ce moment-là tout fait pour essayer de remonter sur l'Oda. Évidemment, ça aurait été très difficile pour lui. Mais à moins d'une défaillance mécanique dans la Ferrari, Niki Lauda a de fortes chances de remporter le Grand Prix du Brésil. Attention au compteur du magnétoscope. Nous sommes actuellement au 25e tour de course. Il en reste 16. 26e plus précisément. Il en reste 16 à disputer. Et les positions n'ont pas changé. Voici Lauda qui passe devant nous. Il lui reste 15 tours à parcourir, très précisément. Je vous rappelle les positions une nouvelle fois de tous les pilotes actuellement en cours. En tête, Niki Lauda, Ferrari numéro 1. En deuxième position, à 150 mètres derrière, le Britannique James Hunt sur la McLaren numéro 11. Troisième position, Jean-Pierre Jarier sur la Shadow numéro 17. Quatrième position, loin derrière, Tom Price sur la Shadow numéro 16. Cinquième position, Patrick Depailler sur la Tyrrell numéro 4. Sixième position, Hans Tuck sur la Marche numéro 34. Septième position, Jody Scheckter sur la Tyrrell numéro 3. Huitième, John Watson. Plus précisément, 8e, Jochen Mass sur la McLaren numéro 12. 9e, Carlos Ottmann sur la Brabham Alfa Romeo numéro 7. Et 10e, Carlos Pache. Les deux Brabham se suivent. Pache sur la voiture numéro 8. 11e position, Renzo Zorzi. Et deuxième position, Jackie, tous deux sur Williams. Renzo Zorzi dispose de l'ancienne Williams, celle que possédait Jacques Lafitte l'an dernier. Ce n'est pas une Esquette. Seul Jackie conduit une Esquette actuellement. Esquette rebaptisée Williams, numéro 20. 13e position, Claire Egazzoni, sur la Ferrari numéro 2. Voilà, actuellement, 13 pilotes sont dans le même tour. Il y a Interlagos.
un tour en 14e position vient Emerson Fittipaldi qui a eu un problème et qui a dû s'arrêter puis repartir, semble-t-il. Il ne s'est même pas arrêté, Fittipaldi, il a rétrogradé tout simplement. Il a ralenti, il s'est fait dépasser par tous ses poursuivants, ou presque. Il a maintenant un tour de retard, Fittipaldi sur sa Goodyear Pulsar numéro 30, et il se trouve en 14e position. En 15e position, un tour, toujours Ingo Hoffmann sur la Goodyear Pulsar numéro 31. Et la ravissante Léna Lombardi est en queue de peloton, tandis que Emerson Fittipaldi s'arrête à son stand. Dans une ambiance funèbre. Ah, l'ambiance est funèbre. Ah, les Brésiliens sont découragés. Les Brésiliens baissent la tête. Ah, le public est concerné. Emerson Fittipaldi vient de s'arrêter à son stand. Il avait des ennuis. Il a rétrogradé. Ah, la Copa Sulcar numéro 30. Quel dommage. C'est arrêté. Nous sortirons plus vite du circuit ainsi. Et la Lombardi, 16e position. Je vous le disais. Les mécaniciens se précipitent autour de la couverture de car, mais toutes chances de victoire, toutes les chances de victoire se sont envolées pour Emerson Fittipaldi qui s'est arrêté à son stand. Jean-Pierre Jarier semble-t-il vient de dépasser Jochen Mass. Je regardais le stand de Fittipaldi et pendant ce temps-là, il semble que Jarier ait dépassé Jochen Mass. C'est ce que hurle dans son micro le commentateur colombien qui se trouve non loin de moi. Et c'est exact. Vérification immédiate dans un instant. Eh bien, je crois que c'est exact. Jean-Pierre Jarier est en deuxième position maintenant. Le voici en gros plan. L'otage Jarier. C'est un, pardon. James Hunt. Effectivement, c'est James Hunt et non pas Joachim Nath. Jean-Pierre Jarier a dépassé James Hunt. Il se trouve maintenant en deuxième position et il va tout faire pour revenir sur Niki Lauda. 150 mètres séparent les deux voitures. La Ferrari numéro 1 pilotée par Niki Lauda et Jean-Pierre Jarier qui se trouve sur la Shadow numéro 17. La tension monte côté français. Soyons-en sûrs. À la moindre défaillance dans le moteur de Niki Lauda. La moindre défaillance des pneumatiques et la victoire de Jean-Pierre Jarier serait proche. Pourvu que la voiture tienne, pourvu que le moteur tienne. Jean-Pierre Jarier en deuxième position, passe devant nous. Il reste 13 tours à parcourir. Sur 13 tours, Jean-Pierre Jarier va pouvoir revenir sur Niki Lauda. Ce sera dur si la Ferrari marche aussi bien. Mais sait-on jamais. Imaginons une victoire de Jean-Pierre Jarier ici, ce serait fantastique. Je n'aime pas les superlatifs en règle générale, mais il faut l'employer, effectivement, ce serait fantastique pour les Français, pour Jean-Pierre Jarier qui court après cette victoire depuis le début de sa carrière. Jean-Pierre Jarier n'a encore pas remporté de Grand Prix. Il a été malchanceux l'an dernier en Amérique du Sud, vous en souvenez, il avait réalisé le meilleur temps au cours des essais du Grand Prix d'Argentine l'an passé, au mois de janvier. Malheureusement, sa voiture l'a trahi au moment de prendre le départ et il n'a pu participer à la course. D'abord dans l'âme, il a regardé des tribunes. Au Brésil, même scénario. Meilleur temps au cours des séances d'essai. Il prend le départ, il prend la tête, il occupe la tête pendant toute la moitié de la course. Malheureusement, le système d'injection est grippé. Jean-Pierre doit abandonner. Cruelle déception pour Jean-Pierre Jarier qui ensuite n'a pas effectué une saison merveilleuse. Il est sorti plusieurs fois de la route au cours des différentes épreuves du championnat du monde des conducteurs 1975. Même une deuxième place pour Jean-Pierre Jarier serait très satisfaisante ici. Cela remonterait, soyons-en sûrs, le moral des troupes de l'écurie Shadow qui en a bien besoin.
Patrice Payet se comporte fort honorablement. Il est actuellement en 5e position. Laudin sur l'écran actuellement. Allô Paris. Alain Schneider appelle Paris. Je crois que c'est le son de France Inter que je viens de recevoir dans mon écouteur à l'instant même là. Ah oui d'accord. Très bien, j'entendais des informations dans mon casque en provenance de France. Apparemment c'est France Inter, il y a eu une mauvaise liaison. Oui c'est ça. Bon, tout se déroule normalement. Tour, il tourne environ à 2 minutes 35 autour. L'arrivée, normalement, est fixée dans une demi-heure. À 14h15, heure brésilienne. Par contre, ça devrait à l'ombre. À 18h15, heure française, par moins 3 au soleil. Laudin toujours au commandement. Il reste 12 tours à parcourir. Le voici Laudin, en gros plan. Pour aider mon jeune camarade Giroud, qui va sans doute commenter très brillamment le montage du Grand Prix ce soir dans le journal. Absolument, c'est pour ça que je lui dis. Je lui transmets toutes mes amitiés. Sa carrière me tient à cœur. Les jeunes gagneront, soyons-en sûrs. Bernard insiste sur la pagaille au départ. C'est absolument incroyable que le départ d'un Grand Prix se déroule de cette façon-là, car tout le monde ici, absolument sans exception, et j'ai vérifié 46 fois avant le départ, attendait le tour de chaude. Ça se passe sur tous les circuits et ici, comme ça, quelqu'un est parti, puis tout le monde a suivi. Tous des moutons. Alors, au départ, Fittipaldi, qui partait en troisième ligne, s'est fait surprendre. Hein. Ça, c'est très important. La Cooper Soucar était une voiture compétitive. Elle a beaucoup changé par rapport à l'an dernier. On a effectué beaucoup de réglages dessus. Elle a été vraiment transformée. La coque a été modifiée, le châssis a été modifié. C'est plus du tout la Cooper Soucar que pilotait Wilson Fittipaldi l'an dernier et qui se traînait en queue de peloton. C'était une voiture sérieuse, très compétitive. Et Fittipaldi s'est fait surprendre au départ, tout comme Jarier d'ailleurs. Alors Regazzoni a pris la tête, suivi par Loda donc. Regazzoni a ensuite dû s'arrêter à son stand, il en est reparti avec du retard. Loda, Hunt, Jarier pendant quelques tours. Ensuite Jarier est parvenu à doubler Hunt et à prendre la deuxième position. Entre temps, Lafitte a abandonné. Les deux Lotus sont abandonnés, ça tu peux le signaler, c'est très important. Mais il ne faut pas se décourager sur l'abandon de la piste. Ce sont des choses qui arrivent, c'était le premier Grand Prix et la voiture marche très bien, le moteur marche très très bien en tout cas. Il y a encore des réglages à faire, des choses à améliorer, c'est normal, c'est la première fois que cette Formule 1 a disputé un Grand Prix. Les deux Brabham Alfa Romeo ne font pas d'éclat actuellement.
la Ferrari 312 T2, donc je l'ai dit en direct tout à l'heure, une voiture qui va obéir au nouveau règlement, sortira en Espagne tout début du mois de mai. D'autres nouvelles voitures d'ailleurs vont sortir à l'occasion du Grand Prix d'Espagne. Le règlement impose maintenant une réduction de la hauteur de la prise d'air. Le règlement imposera à partir du Grand Prix d'Espagne. Claire et Gazzoni remontent peu à peu. Il va ravir Béatrice. Noda passe devant nous, encore 10 tours à faire. Charrier à 4 secondes. Deuxième. Alors l'écart est très très important entre Charrier qui est deuxième et Price qui est troisième. 25 secondes environ. Patrick Depailler se trouve derrière Price. Quant à James Hunt, il va sans doute devoir abandonner car son moteur fait un bruit très curieux. Il a rétrogradé, il se trouve maintenant en cinquième position. Je donnerai les temps précis qui séparent les voitures de tête lors du prochain passage devant nous, devant les centres. 10 tours à parcourir encore. James Hunt a des problèmes. Au 30e tour, il doit rétrograder. 30e tour de course. 30 tours effectués jusqu'à présent. 10 encore à faire. James Hunt a des problèmes. Il doit rétrograder. Il occupait jusqu'à présent la 3e position derrière Jean-Pierre Jarier. Les positions actuellement sont les suivantes. Loda. Derrière lui, Jarier. 3e, Price. Les deux Shadow, hein, dans le tiercé de tête. Les deux Shadow. Derrière, Patrice Depailler. Mas est cinquième actuellement et Duc sixième. Septième, Mas sur la McLaren. Non, septième, plus exactement Scheckter qui a passé Mas. Mas est huitième, McLaren numéro 12. Et Pierre Gazzoni neuvième. Tout va bien, nous l'attendons. Il me semble bien que l'écart entre Niki Lauda et Jean-Pierre Jarier se réduit actuellement. Absolument. Mais la tâche du Français va être difficile car il reste encore 10 tours de course. Plus de 100 km, c'est vrai. Plus de 100 km. Ou plus exactement, non, 80 km à faire encore. Seconde d'écart entre Loda et Jarier. Jarier remonte. Jarier remonte, c'est évident. Neuf tours encore à couvrir. L'écart qui sépare les deux pilotes, Loda et Jarier, dans une seconde. Trois secondes et deux dixièmes. Ah, nous allons vivre une fin de course absolument étonnante si Jean-Pierre Jarier continue sur cette lancée. La fin de course va être absolument passionnante. Loda toujours au commandement.
secondes juste d'écart entre Loda et Jarier. Jarier grignote peu à peu les dixièmes de seconde. En tête donc actuellement Loda, 3 secondes, très exactement derrière. Nous trouvons Jean-Pierre Jarier en troisième position, très très loin. Je vais vous donner l'écart très précisément à 27 secondes. Tom Price et à 30 secondes, Patrick Depailler. À 40 secondes, James Hunt sur la McLaren numéro 11. L'Autrichien remporte cette première épreuve du championnat du monde, 76. Quel dommage que l'Alichier se soit arrêté. On espérait tous que l'Alichier au moins irait jusqu'à la fin de l'épreuve, tiendrait jusqu'au bout de l'épreuve de ce Grand Prix du Brésil. Pour qu'on puisse tirer des enseignements, malheureusement Jacques Lafitte a dû s'arrêter. Est-ce un problème à nouveau de roue? Vous savez qu'au cours de l'ultime séance d'essai, Jacques Lafitte a perdu une roue. Les jantes étaient toutes fêlées. Neuvième, donc Emerson Fittipaldi. Dixième, la voiture numéro 12, c'est Jochen Mass, la McLaren. Très beau gros plan actuellement de James Hunt. Sur la voiture numéro 8, la Brabham Alfa Romeo de Carlos Pache. Charrier juste derrière le Britannique Hunt. Va essayer de le passer. C'est difficile. Septième tour de course, Loda, Hunt, Jarier. Et voici Hunt et Jarier. Fittipaldi est loin derrière. Donc Loda, Hunt, Jarier, Braille, Depailler, Duc, Schetter, Reutemann, Fittipaldi. Et en dixième position, la voiture numéro 12, la McLaren de Jochen Mass. Eh oui, la Ligier s'est arrêtée, elle n'est pas repartie. À 18h15, heure française, par moins 3 au soleil. Loda toujours au commandement.
Il reste 12 tours à parcourir. Le voici Loda, en gros plan. Pour aider mon jeune camarade Giroud, qui va sans doute commenter très brillamment le montage du Grand Prix ce soir dans le journal. Absolument, c'est pour ça que je lui dis. Je lui transmets toutes mes amitiés. Sa carrière me tient à cœur. Les jeunes gagneront, soyons-en sûrs. Bernard insiste sur la pagaille au départ. C'est absolument incroyable que le départ d'un Grand Prix se déroule de cette façon-là, car tout le monde ici, absolument sans exception, et j'ai vérifié 46 fois avant le départ, attendait le tour de chausse. Ça se passe sur tous les circuits, et ici, comme ça, quelqu'un est parti, puis tout le monde a suivi, tous des moutons. Alors, au départ, Fittipaldi, qui partait en troisième ligne, s'est fait surprendre. Hein. Ça, c'est très important. La Cooper Supercar était une voiture compétitive. Elle a beaucoup changé par rapport à l'an dernier. On a effectué beaucoup de réglages dessus. Elle a été vraiment transformée. La coque a été modifiée, le châssis a été modifié. C'est plus du tout la Cooper Supercar que pilotait Wilson Fittipaldi l'an dernier et qui se traînait en queue de peloton. C'était une voiture sérieuse, très compétitive. Et Fittipaldi s'est fait surprendre au départ, tout comme Jarier d'ailleurs. Alors Regazzoni a pris la tête, suivi par Loda donc. Regazzoni a ensuite dû s'arrêter à son stand, il en est reparti avec du retard. Loda, Hunt, Jarier pendant quelques tours. Ensuite Jarier est parvenu à doubler Hunt et à prendre la deuxième position. Entre temps, Lafitte a abandonné. Les deux Lotus ont abandonné, ça tu peux le signaler, c'est très important. Mais il ne faut pas se décourager sur l'abandon de la piste. Ce sont des choses qui arrivent, c'était le premier Grand Prix et la voiture marche très bien, le moteur marche très très bien en tout cas. Il y a encore des réglages à faire, des choses à améliorer, c'est normal, c'est la première fois que cette Formule 1 a disputé un Grand Prix. Les deux Brabham Alfa Romeo ne font pas d'éclat actuellement. La Ferrari 312 T2, donc je l'ai dit en direct tout à l'heure. Une voiture qui va obéir au nouveau règlement sortira en Espagne tout début du mois de mai. D'autres nouvelles voitures d'ailleurs vont sortir à l'occasion du Grand Prix d'Espagne. Le règlement impose maintenant une réduction de la hauteur de la prise d'air. Le règlement imposera à partir du Grand Prix d'Espagne. Regazzoni remonte peu à peu, qui va ravir Béatrice. Loda passe devant nous, encore 10 tours à faire. Jarier à 4 secondes, deuxième. Alors l'écart est très très important entre Jarier qui est deuxième, et Price qui est troisième. 25 secondes environ. Patrice de Paillet se trouve derrière Price. Quant à James Hunt, il va sans doute devoir abandonner car son moteur fait un bruit très curieux. Il a rétrogradé, il se trouve maintenant en cinquième position. Je donnerai les temps précis qui séparent les voitures de tête lors du prochain passage devant nous, devant les stands. À parcourir encore. James Hunt a des problèmes. Au 30e tour, il doit rétrograder. 30e tour de course, 30 tours effectués jusqu'à présent, 10 encore à faire.
James Hunt a des problèmes, il doit rétrograder, il occupait jusqu'à présent la troisième position derrière Jean-Pierre Jarier. Les positions actuellement sont les suivantes. Loda, derrière lui, Jarier, troisième, Price, les deux Shadows, hein, dans le tiercé de tête. Les deux Shadows, derrière, Patrice de Paillet. Mas est cinquième actuellement et Duc, sixième. Septième, Mas sur la McLaren. Non, septième, plus exactement Scheckter, qui a passé Mas. Mas est huitième, McLaren numéro 12. Et Pierre et Giazzoni, neuvième. Tout va bien, nous l'attendons. Il me semble bien que l'écart entre Guy Loda et Jean-Pierre Jarier se réduit actuellement. Absolument. Mais la tâche du Français va être difficile car il reste encore 10 tours de course. Plus de 100 km, c'est vrai. Plus de 100 km. Ou plus exactement, non, 80 km à faire encore. Seconde d'écart entre Loda et Jarier. Jarier remonte. Jarier remonte, c'est évident. Neuf tours encore à couvrir. L'écart qui sépare les deux pilotes, Loda et Jarier, dans une seconde. Trois secondes et deux dixièmes. Ah, nous allons vivre une fin de course absolument étonnante si Jean-Pierre Jarier continue sur cette lancée. La fin de course va être absolument passionnante. Loda toujours au commandement. Trois secondes, un dixième. Juste d'écart entre Loda et Jarier. Jarier grignote peu à peu les dixièmes de seconde. En tête donc actuellement Loda, 3 secondes, très exactement derrière. Nous trouvons Jean-Pierre Jarier en troisième position, très très loin. Je vais vous donner l'écart très précisément à 27 secondes. Tom Price est à 30 secondes. Patrice de Paillet. À 40 secondes, James Hunt sur la McLaren numéro 11. Quant à la suite, on a le temps d'aller prendre un petit café. Je
je plaisantais. 54 secondes séparent Loda de Duc, qui se trouve actuellement 6e. Et la minute est passée. Derrière, Schetter est très loin. Les écarts sont très importants. L'écart entre Loda et Jarier rétrécit. Nous allons contrôler dans une seconde. Deux secondes d'écart entre les deux pilotes. Deux secondes seulement. Jean-Pierre Jarier vient de prendre une seconde à Loda. Deux secondes d'écart entre les deux pilotes. Il reste 8 tours à couvrir. 8 tours à couvrir. 7 x 8,56. Environ 60 km encore à couvrir. Nous allons assister à une fin de course absolument passionnante. Ah, la tension monte actuellement ici à Interlagos. 2 secondes d'écart entre les deux pilotes. L'écart fond à vue d'œil. L'écart qui sépare Loda actuellement au commandement. Et Jarier en deuxième position. Ah, si Jarier gagne, nous ne sommes pas couchés ce soir. La nuit va être difficile. Le speaker du circuit est déchaîné actuellement car il suit tout comme nous la lutte entre les deux pilotes. Le pilote autrichien. Et le pilote français. La tâche du français est difficile, c'est vrai. Jarier actuellement jette toutes ses forces dans la bataille. Arrêt au bord de la piste de James Hunt qui vient d'abandonner. C'était prévu. Allez Jarier. Allez Jarier. Il reste 7 tours à couvrir en tête. Nicky Loda en deuxième position, Jarier. Troisième position, loin derrière, Tom Price. Quatrième, De Payet. Cinquième, Stuck. Sixième, Schecter. Septième, Mass. Huitième, Rotman. Et neuvième, Regazzoni. 9 pilotes dans le même tour. Les autres sont à un tour. La Cooper Soucar a abandonné. Arrêt Jarier. Ah, quel dommage. Ah, Jarier, quel dommage. La course est terminée pour Jarier. Ah, quel dommage. Jean-Pierre Jarier sort indemne de sa voiture. Quel dommage. Quel dommage. La course est terminée pour Jean-Pierre Jarier. Oui, je t'écoute. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Bernard ? Ça va bien ? Ça va bien ? Quel dommage, Jarier ! Mais on n'a pas vu parce que moi je... Oui, non, mais si on l'a vu sortir. Est-ce qu'on l'a vu sortir ou pas ? Ah, il est sorti de la piste, hein.
est sorti de la piste Bernard Giroud. Bernard. Et vous l'avez vu sortir, vous l'avez. On l'a bien vu sortir, car je n'avais pas les yeux sur le récepteur. Pardon ? Qui est-ce qui me parle là ? Non, j'ai. Oui. Oui. Oui, Bernard. Ah bon? Oui, d'accord. Pardon? Ah bon? Non, mais qui est sur la ligne, s'il vous plaît? Je reçois quelqu'un qui parle en portugais sur l'autre, dans mon casque. Qui parle là? Oui, il y a quelqu'un qui parle en simultané, là. Mais enfin, c'est pas grave, ça va aller. Oui, non, ça a l'air d'aller, là. Mais qu'est-ce qu'il m'envoie, ça, au polo? Il m'envoie un commentaire d'un mec. Il m'envoie un commentaire là-dessus dans l'oreille. J'entends plus rien. Oui, c'est l'italien. Oui, c'est l'italien, c'est ça. Oui, c'est l'italien. Ben, je le reçois toujours là, mais j'arrive à t'écouter quand même. Patrick Depailler est en deuxième position maintenant. Patrick Depailler a passé Tom Price. Mais il est quand même beaucoup trop loin de Loda pour pouvoir prétendre remporter la victoire. Ah, j'ai un commentaire italien dans l'oreille, c'est pas tellement agréable. Bernard Giroud, allô Paris. Allô Paris. Allô Paris. Allô Paris. Allô Paris. Allô Paris, j'entends un commentaire italien dans mon casque et c'est très gênant. Bon, dis-moi, je voudrais avoir confirmation, je voudrais savoir si Jarier s'est sorti de la piste ou s'il s'est arrêté. Car à ce moment-là, nous n'avions pas sur le récepteur l'image. Alors on ne l'a pas vu, est-ce qu'il s'est sorti ou est-ce qu'il s'est arrêté? Je voudrais la confirmation sur le magnétoscope. Mais est-ce que c'est sûr? C'est sûr, on l'a vu? Ah bon, d'accord, il est sorti. Bon, d'accord, je voulais avoir confirmation.
Bon, très bien, il est sorti, d'accord, ok. Bon, je veux savoir ce qu'on fait aussi pour tout à l'heure. Il reste 4 tours à couvrir. Et nous prendrons l'antenne sans doute au milieu de l'avant-dernier tour. 2 minutes 35. Oui. Mais, ou alors, vous voulez, si vous voulez repasser sur la machine, je peux donner le point en direct, je peux donner l'arrivée, c'est-à-dire avec le dernier tour, l'arrivée pendant une minute. Bon, au total, ça fait un ensemble de 4 minutes, par exemple. Et pendant 2 minutes, Giroud, avec Jabouille, pourrait montrer le magnétoscope de l'accident de Jarier. Ce fait... Bon, bah, il faut l'appeler alors. Et appelle-le par l'interphone d'urgence. On a encore le temps, hein, on a 6 minutes encore. Ce serait très intéressant. Oui ? Oui ? Comment vas-tu, Jean-Pierre ? Ben, ça va pas mal. Si le départ... Hein ? Ah oui, c'est con, hein ? Vraiment, parce qu'il remontait, il faisait un forcing effréné, et l'écart diminuait vraiment de tour après tour. Hein. Et... Oui. Ah oui, bah, moi j'avais pas de récepteur à ce moment-là, et on l'a pas vu. C'est dommage. C'est dommage. Patrice Depailler va être deuxième, hein. Il a passé Tom Price. Et qu'est-ce que ça a donné le début? Ça allait, c'est pas trop la pagaille? Ben oui, moi non plus. Non, ça va, ça va. Ok, bon, bah, l'arrivée maintenant dans encore 4 tours à faire pour l'Oda qui a course gagnée parce que l'écart qui le sépare de Payet est très important. Hein? Non, on n'a pas d'information pour l'instant là. Tu sais, on est de l'autre côté des stands et on n'a aucune information. Est-ce qu'on peut me dire à Paris ce qui doit se passer maintenant? Est-ce que je fais une première tranche d'antenne en direct et Bernard Giroud et Jean-Pierre Jabouille pourraient commenter ensuite sur le magnétoscope la sortie de route de Jarier qui est quand même l'événement très important de cette fin de course? Est-ce qu'on peut me le dire s'il vous plaît? Car il reste 3 tours à faire, moins de 3 tours, encore 2 tours à faire pour Loza après.
je vais le lancer alors, d'accord. Je le lancerai. Je le lancerai, hein. D'accord, entendu. Bon, je fais environ 5 minutes. Bon, c'est-à-dire que je... Hein? Pardon? Bon, d'accord. Alors, je vous demanderai le moteur tout à l'heure. Pas encore. Là, je vais prendre le dernier tour de Niki Lauda. Il faudra ensuite, une fois que Lauda aura passé la ligne, il faudra attendre l'arrivée de Payet qui est longue. Et je vais prendre le dernier tour de course. Attention, préparez-vous pour le moteur. Ah bon, bon, ça tourne toujours. Alors, c'est formidable. Attention, je vais commencer mon enregistrement pour ma séquence. Attention, dans 20 secondes environ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ici, São Paulo, au Brésil, le circuit d'Interlagos, où dans quelques instants, le directeur de la course va abaisser son drapeau, annonçant la fin de ce Grand Prix du Brésil. Sans doute va-t-il abaisser son drapeau devant le capot de la Ferrari 312C numéro 1, pilotée par l'Autrichien Niki Lauda, que vous suivez actuellement en gros plan sur votre écran. Nous avons assisté à une fin de course absolument passionnante, car en effet, il y a eu une lutte très sévère entre Niki Lauda et son poursuivant immédiat, le Français Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier se trouvait à plusieurs secondes derrière Lauda et peu à peu il a réussi à remonter son handicap, à réduire l'écart qui le séparait de la voiture de l'homme de tête, l'Autrichien Niki Lauda. Malheureusement, 7 tours avant l'arrivée, eh bien, Jean-Pierre Jarier est sorti de la piste sans aucun dommage pour le pilote, je vous rassure tout de suite. Les roues avant se sont bloquées et la Shadow numéro 17 eh bien, a heurté les grillages. Sans aucun dommage, je vous le rappelle, pour le pilote qui est sorti immédiatement, parfaitement indemne, sans doute très déçu. Cela s'est passé, je vous le répète, 7 tours avant l'arrivée. L'écart diminuait, il était de 5, de 4, de 3, il est passé ensuite à 2 secondes, et l'écart était inférieur à 2 secondes lorsque s'est passée la sortie de route de Jarier. Niki Lauda, dans quelques secondes, va franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. Où en sommes-nous actuellement? Eh bien, en deuxième position, très très loin derrière, à 50 secondes environ, Patrice Payet sur la Tyrrell numéro 4. En troisième position, Tom Price sur la Shadow numéro 16. Quatrième, Hans Duc sur la Marche numéro 34. Cinquième, Jody Scheffler sur la Tyrrell numéro 3. Et sixième, Jochen Mass sur la McLaren numéro 12. Un septième pilote se trouve dans le même tour, c'est Thierry Gasly qui a dû, au cours de l'épreuve, s'arrêter à son stand. Il est reparti avec du retard. Il a réussi néanmoins à remonter et à doubler de nombreux concurrents. Deux éléments à signaler avant que ces courses se terminent ici à Saint-Paul au Brésil, tandis que nous suivons les derniers tours de roue de l'Autrichien Niki Lauda, champion du monde 1975. Eh bien, l'abandon de la Ligier numéro 26 de Jacques Lafitte. Jacques Lafitte a dû abandonner à mi-course. Nous ne savons pas encore pourquoi. Nous le saurons tout à l'heure, je pense. Ce n'est pas grave, il y a d'autres courses prévues dans l'année. C'était son premier Grand Prix, nous la reverrons, soyons-en sûrs, sur d'autres circuits, à Calami par exemple, au mois de mars prochain. Niki Lauda, le voici en gros plan, va remporter son premier Grand Prix de la saison. C'était le premier Grand Prix, comptant pour le championnat du monde des conducteurs, le Grand Prix du Brésil. Eh bien, Niki Lauda va triompher et prendre immédiatement la tête au classement général, qui ne change rien par rapport à l'an dernier, où il a conquis brillamment le titre, vous vous en souvenez. A signaler l'excellente deuxième place que va remporter Patrick Depailler. Patrick Depailler va se classer deuxième. C'est une très bonne performance. Patrick a effectué une course très régulière au volant de sa Tyrrell numéro 4. Très régulière et la régularité a payé, si l'on peut dire. Voici
Derek Gasly qui passe devant nous. Je pensais que c'était Niki Lauda, mais pas encore. Niki Lauda, le voici, nous le suivons actuellement sur l'écran. Il va remporter la victoire. Mais quel dommage que Jean-Pierre Jarier est abandonné, car nous aurions assisté à une lutte extraordinaire dans les deux derniers tours. Soyons-en sûrs. Voici Niki Lauda, le directeur de la course, prend son drapeau. Et ainsi s'achève le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Brésil. Victoire de l'Autrichien Niki Lauda sur la Ferrari 312C numéro 1. Il précède Patrice Payet qui dans quelques instants va passer devant nous. Patrice va se classer deuxième. Nous sommes ravis pour le pilote français, il le mérite. Voici Patrice Payet qui passe la ligne d'arrivée. Deuxième Patrice Payet, troisième Tom Price sur la Shadow numéro 16. En quatrième position, Hans Stuck. C'est une très belle performance à l'actif du pilote allemand qui pilotait la marche numéro 34. Et cinquième position, bien nous trouvons Jody Scheckter. Sixième, pour le classement c'est important, la McLaren numéro 12 de Jochen Mass. Quant à Emerson Fittipaldi, eh bien, il a dû abandonner peu après la mi-course. Il est rentré au stand, il avait des problèmes. C'est dommage car Emerson Fittipaldi pouvait lui aussi se mêler à la lutte finale, mais nous le reverrons très prochainement sur les autres circuits. Il faudra surveiller avec beaucoup d'attention sa Copersucar numéro 30. La saison de Formule 1 a fort bien démarré. Pour les pilotes français, il y en a deux dans les cinq premiers. Il y en avait deux dans les cinq premiers, plus exactement, car seul Patrice de Paillet demeure au classement. Seul Patrice de Paillet marque des points, mais voyez, nous considérions déjà que Jean-Pierre Jarier était sinon premier, au moins deuxième. C'est dommage, ce n'est que partie remise. Je pense que dans l'avenir, dans un avenir proche, les trois pilotes français, Jean-Pierre Jarier, Patrice de Paillet, Jacques Lafitte, nous réserveront des surprises. Ils peuvent remporter cette année des Grands Prix. Nous allons revoir maintenant depuis Paris, commenté par Bernard Giroux et Jean-Pierre Jabouille, l'accident de Jean-Pierre Jarier. Accident qui, je vous le répète, était absolument sans gravité. Jean-Pierre Jarier, je l'aperçois d'ailleurs au loin, il est absolument indemne, aucun problème. Je rassure tous ses amis et sa famille. Nous allons revoir l'accident de Jean-Pierre Jarier qui a été enregistré. Nous allons le revoir, je pense, également au ralenti. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir suivis en direct. J'espère que nous nous retrouverons très prochainement pour suivre ensemble d'autres Grands Prix en direct. Je vous remercie de votre attention. Passez une excellente fin d'après-midi, une bonne soirée, car pour vous, je pense que la soirée approche. Ici Rio, au revoir, à vous Paris. C'est une voiture sérieuse, très compétitive. Et Fittipaldi s'est fait surprendre au départ. Tout comme Jarier d'ailleurs. Alors Regazzoni a pris la tête, suivi par Lauda donc. Regazzoni a ensuite dû s'arrêter à son stand, il en est reparti avec du retard. Lauda, Hunt, Jarier pendant quelques tours. Ensuite Jarier est parvenu à doubler Hunt et à prendre la deuxième position. Entre temps, Lafitte a abandonné. Les deux Lotus ont abandonné, ça tu peux le signaler, c'est très important. Mais il ne faut pas se décourager sur l'abandon de Lafitte. Ce sont des choses qui arrivent. C'était le premier Grand Prix et la voiture marche très bien. Le moteur marche très très bien en tout cas. Il y a encore des réglages à faire, des choses à améliorer, c'est normal. C'est la première fois que cette Formule 1 a disputé un Grand Prix. Les deux Brabham Alfa Romeo ne font pas d'éclat actuellement. La Ferrari 312C2, donc je l'ai dit en direct tout à l'heure, une voiture qui va obéir au nouveau règlement, sortira en Espagne tout début du mois de mai. D'autres nouvelles voitures d'ailleurs vont sortir à l'occasion du Grand Prix d'Espagne. Le règlement impose maintenant une réduction de la hauteur de la prise d'air. Le règlement imposera à partir du Grand Prix d'Espagne.
Valérie Galzoni remonte peu à peu. Qui va ravir Béatrice. Soda passe devant nous, encore 10 tours à faire. Charrier à 4 secondes. Deuxième. Alors l'écart est très très important entre Charrier qui est deuxième et Price qui est troisième. 25 secondes environ. Patrice de Paillet se trouve derrière Price. Quant à James Hunt, il va sans doute devoir abandonner car son moteur fait un bruit très curieux. Il a rétrogradé, il se trouve maintenant en cinquième position. Et tout prochain, et tout particulièrement à Sao Paulo, le Grand Prix du Brésil, première épreuve automobile de l'année. Après son accident d'hier, la Ligier de Jacques Lafitte a pu finalement prendre le départ, mais malheureusement, cet après-midi, elle n'a pu terminer l'épreuve. C'est l'Autrichien Niki Lauda sur sa Ferrari qui a enlevé cette première manche du championnat du monde des conducteurs, Georges Dominique. Lauda et Ferrari, ce sont les champions sortants. Un succès qui prouve déjà que le moteur fabriqué à Modène n'a pas pris une seule ride pendant les vacances. Voici Lauda, ici il passe son coéquipier Regazzoni, Lauda est en tête, il le restera jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la Ligier n'a pas pu aller. Voici Lafitte qui regagne ici son stand au 13e tour, à la suite d'une défaillance de la boîte de vitesse. Mais un autre Français regardé dans la course, c'est Jean-Pierre Jarier. Sa Shadow a dérapé sur une plaque d'huile, Jarier est indemne, mais il regrette surtout sa deuxième place. Dès lors, Niki Lauda n'avait plus aucun souci à se faire et le numéro 1 de la saison dernière semble déjà vouloir se succéder. Est-ce que cela veut dire, Georges Dominique, que l'avenir de la Ligier est compromis? Je pense, Marie-Laure, qu'il est fort prématuré de le dire dès ce soir. En effet, dans ce domaine de la compétition automobile, rarement un coup d'essai se transforme en un coup de maître. On peut dire, en tout cas, que la Ligier aurait déjà fait le dur apprentissage de la compétition automobile. Et c'est un peu ce qui se passe pour une voiture normale, pour des voitures de grande série. Rarement, les premiers modèles se présentent sans aucune imperfection. En tout cas, ce soir, à Sao Paulo et chez Ligier, on est déçu d'abord par cette sortie de route survenue hier, déçu aussi, bien sûr, ce soir, à la suite de l'abandon de Jacques Lafitte.